synchro et Marc. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Prize and Crate où aujourd'hui bien, c'est l'Alpha 3 et donc l'Alpha 3 ça veut dire qu'il y a du brouillard de guerre. Et mon petit coup parce que sinon j'ai la gorge toute sèche et je ne peux pas continuer à parler. Et donc il y a du brouillard de guerre qui est pas super bien foutu, enfin vous allez voir très très vite pourquoi je dis que le brouillard de guerre est pas très bien foutu, voire même très mal foutu par rapport à ce qu'on pourrait avoir comme brouillard de guerre habituel. Et donc sans plus attendre, commençons une toute nouvelle prison où on va avoir 20 prisonniers qui vont arriver très prochainement. Donc du coup on va se prendre un petit grant Basic Detention Center et ça devrait couvrir les premiers frais de construction du Basic Detention Center. Pour le moment on va pas trop se poser de questions, on va faire un grand building pour mettre une holding cell et les premiers prisonniers. On va mettre vraiment tout en haut ou pas, non, on va pas mettre vraiment tout en haut parce que ça va poser problème. Après ici on va mettre une cantine et une cuisine et ici on va mettre un bâtiment administratif et forcément ça va poser problème puisque je sais que j'ai mal calculé la taille de mes bâtiments. Donc il faut que je leur mette une porte. Tu vas avoir une porte, toi tu vas avoir une porte. Et toi tu vas avoir une porte. Parce qu'une porte, c'est bien. J'aime bien les portes. Ça a de l'intérêt. Donc du coup, eux, ils vont construire ça, ils vont faire ça. Donc après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller à la brutasse. Pour la prison. Voilà. Donc ici on va faire une cour quelque part. Donc holding cell ça va aller là. Shower ça va aller là. Kitchen ça va aller là. Cantine ça va aller là. Et yard ça va aller juste au milieu entre tout. Donc la porte est ici, on va déjà faire un petit chemin en dalle de béton. Non, c'est pas celle-ci. Non, ouais, non, la porte elle est là. Là, là. Ici, là. Alors la porte ici, je ne sais plus où elle est. On va faire un chemin qui amène vers l'endroit où peut-être éventuellement est la porte. C'est-à-dire possiblement pas très loin de tout ça. Mais pour le moment, c'est un peu vague et pas très précis. Et c'est pas grave, c'est en train de se construire. Il nous reste 21 heures avant l'arrivée des prisonniers. Donc ça va. Assez rapidement, il va falloir... Est-ce que je peux pas déjà engager le Warden? Et effectivement profiter d'un bug. Mais non, c'est pas du tout légal que je veux... je crois que c'est Mental Health qui m'intéresse en premier. Et du coup, ça m'a fait dépenser un maximum de fric pour rien. Donc, voilà, donc ça, c'est fait. Ah, voilà, maintenant, ça m'a... Je vois que j'ai... Ah, la porte est ici. Donc, paving stone, là. Là. Et ce que j'ai oublié de construire, c'est un petit bâtiment à côté, donc par exemple ici, sur lequel il va y avoir les utilities, et en même temps que les utilities, il va aussi y avoir les nouveaux objets de CCTV, et en fait il faut les rechercher. Ah oui, d'accord. Ça va prendre vachement plus longtemps que ce qui était prévu. Et il ne peut pas rechercher parce qu'il n'a pas de bureau. Bureau.
Ici. Donc bureau. Trop petit. Bonne taille. Donc, il faut une office chair. Non. Si. Un bureau. Un office desk. Et un filing cabinet. Donc, dès qu'ils ont construit ça, on va pouvoir mettre un générateur électrique avec un Z comme dans générateur. Et forcément, j'ai foutu le chemin pas en face de la porte. Donc lui bientôt là, il y en a un qui galère à lui apporter son bureau. Ce serait mieux s'il suivait le chemin. Et vu que le pass feeling est pas si pourrave que ça, je pense que suivre le chemin, ça va pas être hyper intéressant pour lui. Voilà. Il lui manque un filing cabinet qui arrive ici. Et donc, j'ai pas mis de porte. Une porte ici. Voilà, une fois qu'il va y avoir du porte. Non, non. Une fois qu'il va y avoir une porte, on va pouvoir mettre ça ici. Ça. Là. Et ça. Là. Et puis, maintenant qu'il y a ça, on va pouvoir faire ça. Et puis ça. Et puis ça. Voilà. Et là, on voit déjà le brouillard de guerre, qui est quand même super moche. Et lui, ça serait mieux si... C'est quand même super loin d'avoir la CCTV. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà... Alors, ici c'est bouché, et on va boucher ici. On fera un quartier ultra haute sécurité, top trop cool machin, plus tard. Pour le moment, c'est bien comme ça. Je crois que forcément, j'ai pas du tout si c'est bon. C'est un peu énervant ce truc où on voit les fondations qu'on a posées uniquement que dans certains cas. Et donc en fait là il y a de la lumière mais on ne le voit pas parce qu'il y a du brouillard de guerre. C'est pas très pratique. Bon ça m'ennuie ce truc d'avoir mis cette dalle au mauvais endroit. On va remettre une dalle ici. Donc, room yard. Les prisonniers vont pouvoir se défouler ici. Ah oui, bah oui, forcément, faut que ça soit sécurisé. Derrière au moins une porte. Et ben en voilà une porte. Donc du coup, maintenant qu'on ne voit absolument plus rien, il va falloir se poser la question de qu'est-ce que comment qu'on fout tout ça là-dedans? Parce que là, il n'y a pas l'électricité. Ouais, c'est ça, il n'y a pas l'électricité. Mais il va quand même falloir faire une kitchen, genre ici, et une cantine que je ne vois pas encore une fois, genre là. Sauf que la kitchen, je sais même plus où elle s'arrête. Ça va être d'un simple de poser les meubles là-dedans, mais d'une puissance quand même, et c'est insoupçonnable. Oui, mais il y a une porte ici, c'est bon. Ah bah oui. Il y a une porte, mais c'est pas fini là-bas. Donc du coup, cooker, fridge. Fridge. Cooker, c'est où? C'est ici. Je vois même pas ce que j'ai, c'est terrible. 1, 2, là, adjugé, au pif. Et il est où mon warden? En fait, il n'y a que les gardes qui permettent de voir un truc ou quoi?
Mais non, c'était un couple que je voulais engager. Enfin, voilà, j'ai plus d'argent. Ah là 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 là. Bon, au moins maintenant, je vois à peu près ce qui se passe ici. Hop. L'avantage, c'est que je peux déplacer mes petits personnages. Alors, pourquoi j'ai pas l'électricité là? Parce qu'il n'y a pas d'électricité ici. Hop, hop. Ça serait mieux s'ils étaient capables de bien gérer leur... leur, comment dire... S'ils étaient capables de bien gérer tout seul, quoi. Hop. Alors, en théorie, je peux leur créer des routes de patrouille. Donc ça, c'est la théorie. Après, la pratique, j'ai pas vraiment regardé comment on faisait ça. Donc, serving table. Je ne peux pas en mettre deux. Super. Table tout court. Hop. Comment ça? Ah. Banc. Des bancs. Bancs. Ici. Hop. 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 Alors là, on va voir qu'en fait, ils vont pas pouvoir accéder au banc parce que ça passe pas en dessous. Ça, je le sens bien venir, mais vraiment bien, quoi. Donc ici, on va faire un mur en béton. Là. 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 Et là. Ici, on fera sûrement autre chose. Shower. Ah, ça va être épique à cause de ce garde. Ça va être épiquissime ce truc. Alors, donc la holding cell, on va la peupler rapidement avant qu'il commence à créer les murs, parce qu'après on va plus rien voir. 2, 3. 1, 2. Oh, des toilettes. Ah, des toilettes, c'est où? On va mettre les shower heads ici. Hop, 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 hop. Ah, les toilettes sont ici. Hop, 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 hop. Voilà. Ça, c'est réglé. Il faudrait mettre une porte, mais je vois même pas où j'ai prévu le trou. J'ai pas prévu de trou, donc on va prévoir un trou ici. Jay le dort. Là. Et l'autre, c'est pas ça, il faut mettre un drain. Ben voilà. Ça, c'est bon. Là-dessus, c'est réglé. Et j'utilise quasiment déjà toute la puissance que j'ai prévue ici. C'est super. Quoi, toi, t'es pas alimenté? Faut que je tienne un câble qui fasse ça. Hop, voilà. Mais non, pas du gros pipe. Du petit pipe. Hop. Là aussi, il faut que je mette du petit pipe ici, du petit pipe là, et du petit pipe là. Et ce qui est très logique, c'est qu'il faut changer le sens quand on utilise du câble électrique, alors qu'on ne peut pas changer le sens quand on utilise du pipe. Ça, c'est pas logique du tout. Rajouter un capacitor, sinon je pense que ça va disjoncter, et si ça disjoncte, ça va être la mort. Donc là, j'ai une porte ici. Alors, la porte staff only. Comme cette porte-là, ça va être staff only. Et les prisonniers arrivent. Comment ça, ma kitchen n'est pas complète? Il manque un évier, ce qui est assez logique pour une cuisine en même temps.
J'admets. Et si je ne l'ai pas dit, enfin je pense que je l'ai dit déjà, l'épisode est enregistré en live, donc il ne faut pas hésiter pour les gens qui le regardent à poser les questions. Mais où est ce évier? Là. Voilà. Un évier ici. Un évier là. Du coup, il va falloir que je monte un tuyau. Ouh, j'ai cru que ça avait sauté. Voilà. Pas très logique que le gros tuyau et le petit tuyau soient au même tarif quand même. Mais bon. Ah oui, il faut l'amener sous le robinet, c'est vrai, le tuyau, sinon ça ne marche pas. Voilà, ça c'est réglé, ça c'est réglé. Il n'y a plus qu'à attendre un certain temps qui se décide. Mais pourquoi lui, il... Derrière, au moins une porte. Mais ça, c'est une porte. À un moment, il y avait une porte ici. Genre, à un moment, il y a longtemps. Peut-être. Là, je ne vois pas. Donc déjà, on va mettre des lumières. Est-ce que j'ai de la lumière extérieure? Non, ils ont supprimé la lumière extérieure. On ne peut plus mettre que des lumières comme ça. Mais pourquoi j'ai l'impression qu'il n'y a pas de porte ici? Ah, il me semblait pourtant que j'avais mis une porte. Toi, amène-toi là. Toi, ce serait mieux si t'étais par ici. Alors là, je sais pas pourquoi j'envoie un bout ici et pas le reste. Il doit y avoir une réponse quelque part. Oui, c'est vrai, je peux pas engager deux chefs. Parce que j'ai pas le pognon. Normal. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Cette porte est staff only, cette porte va être staff only, le temps qu'elle soit posée, mais je suis persuadé qu'elle était posée là à un moment ou un autre. Hein? Là, elle est posée. Oui, là, elle est posée. Donc, il y a une porte. Pour le moment. Ouais, donc ici, voilà, là, on voit plus rien. Là, on voit pas grand-chose. Là, il y a des trucs. Lui, il a quasi fini de chercher Mental Earth. Et on va booster un petit peu. Il va finir de chercher Mental Earth. Et on va chercher Security. Allez, on se dépêche. Security. On va chercher la CCTV. Puis là, ça va être génial, puisque dès que je vais avoir les 8 premiers prisonniers, il va falloir que j'agrandisse quelque part. Mais ça sera l'épisode suivant. Bon, toi, va là. Là, parce que quand on lui dit de bouger, il se bouge. C'est pas mal. Par contre, c'est bizarre le fait d'avoir du brouillard de guerre qu'on peut dissiper quand même pas mal. Hein. Est-ce que le chef, il permet de voir? Et c'est pas mal ça, le fait que le chef permettre de voir à l'intérieur, à moins que ce soit un gros bug. C'est aussi possible que le chef ne soit pas censé, puisque le Warden, si je le mets tout seul, il voit aussi à l'intérieur. Ou alors c'est juste que c'est rémanent pendant un certain temps. On va voir. Ça peut être intéressant à voir. Dans tout ça, j'ai combien de gardes? J'ai 4 gardes et un coup. Ouais, ça n'a pas été évidentissime au début. Pourquoi il y a des briques ici? Pour une raison obscure et inconnue. Mais c'est pas grave. Ça avance, ça avance, ça avance. Plus vite. Dans 3h28, on a les premiers prisonniers. Allez! Et dès que j'ai les premiers prisonniers, je peux engager un deuxième chef et finir cet objectif et accessoirement ce premier épisode. Plus vite. Allez, hop, 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 on se dépêche.
oui, sinon le jour se lève. J'étais en train de me poser la question de pourquoi ça a changé de couleur, mais non, c'est juste que le jour se lève. Donc ça s'est alimenté. Effectivement, il y a une certaine rémanence, puisque maintenant je ne vois plus rien du tout ici. En même temps, c'est pas trop grave que je vois rien à cet endroit-ci. C'est plus grave que je vois rien dans la cantine. Il va aussi falloir que je me pose la question de comment on fait pour créer des routes aux différents gardes, puisque je sais qu'on peut les faire patrouiller. Eh oh! Je sais pas si je fais shift. Non, si je fais contrôle. Non. Alternate, non plus. Je sais qu'on peut les faire patrouiller, mais je ne sais pas comment. Ça va être une question qu'il va falloir que je me pose. Ça pourrait être utile à un moment. Donc lui, c'est bien, cette holding cell est fonctionnelle. Bon, ici, on s'en fout. On voit un beau bug. Le fait qu'ici, lui découvre le terrain là. Voilà, je peux engager un chef de plus. J'ai dit, je peux engager un chef de plus, voilà. 6 gardes pour 8 prisonniers, ça devrait le faire. Ma livraison de prisonniers arrive ici. J'ai 8 nouveaux prisonniers qui arrivent dans 23 heures. On va attendre que ces prisonniers-là soient stockés. Ah non, c'est bon, ils le font d'eux-mêmes. J'étais en train de me dire que ça allait être un peu technique s'ils se décidaient pas tout seuls à aller embarcationner les prisonniers vers leur celluloïde. Bon, tout de suite, déjà, ce qu'on va faire avec eux, c'est qu'on va construire un building là. Avec une porte ici, par exemple. Donc, alors, il y en a quelques-uns. Alors, est-ce qu'il n'y en a pas des prisonniers qui se sont déjà taillés? Prisoners, non, il n'y en a pas encore qui se sont taillés. Des Grants, on va faire, on va faire, on va faire. Cell block A et en même temps on va prendre Administration Center. Voilà. Donc ça c'est très bien, c'était notre premier petit épisode sur Prison Crate Alpha 3. On va se laisser ici pour aujourd'hui en regardant ces prisonniers pourrir dans leurs cellules et on va se dire à très bientôt pour un nouvel épisode. Bonne journée, bonne soirée, comme d'habitude, et à plus tard!